à l'espace Mendès France pour cette journée d'études et de contribution à la problématique territoire de cette maison. Merci Pascal d'être là ce matin pour présenter la démarche et tout ce qui va s'en suivre. Je vais essayer de contextualiser tout ça. Merci Monsieur le Président de l'Université d'être présent. Habitué de ces configurations dans cette salle qui ont vu naître beaucoup de projets. Je rappelle qu'en 1992, ici, devant 4 ou 5 personnes, il y avait une dame complètement inconnue qui s'appelait Brundtland, qui a inventé le concept de développement durable, qui venait essayer de montrer aux Français en quoi pouvait aider cette conception des choses pour un futur imaginable. Donc pour vous dire que cette salle a été souvent le point de départ de beaucoup, beaucoup de choses. Et vous savez que dans cette maison, on tient beaucoup à adosser, appuyer et ancrer nos actions ultérieures en direction de nos publics dans les institutions, là où se fabrique la connaissance, là où elle se réfléchit et où elle se met en confrontation. Alors moi, ce matin, je voulais poser aux médiateurs et acteurs de la culture scientifique que nous sommes la question suivante. Les territoires sont-ils solubles dans la culture scientifique? Et si la réponse est oui, comment fait-on? Alors, si je vous dis ça simplement, c'est que l'histoire de la culture scientifique en France et pour ce que je connais au sein de l'OCDE est essentiellement une histoire de diffusion des connaissances des sciences dites dures. Les sciences en question ont été d'ailleurs depuis longtemps à l'origine de nombreuses institutions en France. Je pense à Grenoble, je pense à Rennes et bien sûr à l'espace Mendès France. Et comment et pourquoi un projet comme celui-là arrive peu à peu à non seulement arpenter le champ des territoires, mais à investir les sciences qui contribuent à une connaissance de nos territoires pour pouvoir les partager avec nos concitoyens. Quand en 97, moi j'ai lancé dans cette maison l'espace Mendès France l'idée d'une plateforme de territoire qui aille au-delà de l'itinérance habituelle bien connue des acteurs de la diffusion culturelle et scientifique, j'ai été regardé, parce qu'à l'époque j'étais président des centres de culture scientifique de France, j'ai été regardé avec beaucoup de condescendance par mes camarades des 35 autres centres, car la notion de territoire pour eux était une notion qui renvoyait à la capacité d'acteurs locaux d'acheter des prestations, de louer des expositions et d'organiser des animations. Quand, pour les 30 ans de l'espace Mendès France, on a écouté ce que nous racontait l'ancien ministre de l'éducation nationale de Lula au Brésil, Cristóvão Buarque, vice-président du Sénat du Brésil et président d'une commission de l'ONU, nous racontant en combien d'années, c'est-à-dire moins de 10 ans, son pays s'était délité pour permettre l'élection d'un Bolsonaro. On a bien vu que la distance qui s'était créée entre les élites et les institutions et les territoires, mais surtout les habitants, celles et ceux qui sont et qui vivent sur le territoire, on a bien vu à quel point on avait eu raison déjà dans cette maison de faire ça, mais surtout de s'appuyer sur quelque chose que les Poitevins méconnaissent ou ne connaissent pas assez. C'est la force, la puissance et la richesse qu'il y a au sein de l'Université de Poitiers sur cette question des territoires de manière absolument pluridisciplinaire. Alors si je vous dis ça simplement, c'est que si je regarde un peu l'histoire de cette maison, quand moi je suis arrivé ici, il venait un peu plus de 15 000 personnes par an. On annoncera des chiffres pas loin de 170 000, soit dans nos murs, soit dans un peu plus de 120 communes. Et on voit bien l'intérêt qui évolue depuis de nombreuses années de nos concitoyens, bien sûr pour les sciences, le loisir, la curiosité et l'intérêt qu'on peut rencontrer en étant présent à des manifestations de ce genre. Mais maintenant, se lèvent de plus en plus souvent des questions de territoire qui sont éminemment transversales et sur lesquelles une maison comme celle-là a une vingtaine d'années d'expérience de mobilisation du monde de la recherche dans une perspective de médiation. Jules Ferry voulait l'instruction. Quand le Front populaire est arrivé, on a parlé d'éducation. L'éducation, c'est l'instruction plus les valeurs, si on reprend Perrin et un certain nombre d'autres. La médiation, c'est l'éducation plus la capacité à créer du lien en sachant que celles et ceux qui savent, à un moment ou à un autre, peuvent étayer
et conforter leur présentation en écoutant et en entendant ce qui se passe sur nos territoires. Donc, lorsqu'avec Pascal Chauchefoin et puis toute une série d'acteurs éminents de l'Université de Poitiers, on a commencé à réfléchir à la question du territoire, à l'espace Mendès-France, pour pouvoir passer à une seconde génération d'intervention. En fait, très rapidement, dans mon esprit, est venue l'idée de créer un concept que moi j'ai appelé et que j'ai proposé à l'intérêt de tous, qu'on a appelé territorial, et qui ferait de cette journée la première d'une série prenant le territoire de Poitiers, Grand Poitiers, tel qu'il a évolué récemment, comme un terrain d'expérimentation, de laboratoire, et un terrain où, collectivement, on puisse tout à la fois regarder ce que l'on sait, essayer de voir ce que l'on ne sait pas et qui pourrait nous aider à faire avancer le dialogue, et surtout d'être toujours sur cette trajectoire, de permettre de mieux regarder et de mieux comprendre là où on vit, pour permettre une évolution. Car si je dis ce mot, c'est pas par hasard. J'ai récemment eu un dialogue avec les élus de Rochefort, hein, ce sera public bientôt, et en ce moment il y a une réunion à Angoulême. On voit bien qu'on est sur un moment que nos amis de la biologie qualifient de darwinien. C'est un moment où c'est pas le plus fort qui va gagner, c'est le mieux adapté. Or, les conditions de l'adaptation, on les méconnaît. Pour connaître les conditions de l'adaptation, tous nos amis scientifiques, en particulier de la biologie, nous racontent qu'il faut vraiment dessiner la carte des corps et des individualités en collectif pour mieux voir dans quelles conditions on peut s'adapter à des environnements qui sont en train de changer. Ces environnements, ils sont en train de changer de manière culturelle, éducative, et ces environnements, ils changent dans des conditions sur lesquelles on sera amené à revenir, mais qui incitent à une grande, grande vigilance en termes de démocratie. Alors tout ça, ça doit se partager. La médiation culturelle et scientifique, telle qu'on l'a mise en œuvre ces deux dernières décennies ici, doit pouvoir se mettre au service des connaissances, des savoirs et des interrogations du monde de la recherche en direction de nos concitoyens. Donc les territoriales qui commencent aujourd'hui ont comme vocation à permettre non seulement un échange, mais permettre aussi des contributions qui ne soient pas des contributions qui restent anecdotiques, voire folkloriques, des contributions qui deviennent structurantes. Donc la présence de l'ensemble des acteurs de la recherche aux côtés de l'espace Mendès-France pour essayer d'inventer de nouveaux modes de médiation en termes de territoire et plus largement en termes de sciences sociales, non seulement est vitale, mais est attendue. Parce que cette idée qui a déjà été largement médiatisée, cette idée, elle a pour vocation aussi de faire des émules. Donc le laboratoire que nous créons ensemble, il a pour vocation à publier au sens scientifique du terme et à être diffusé. C'est dans ce sens-là que non seulement moi je suis acteur de tout ce processus, de toute cette avancée, mais je pense qu'on est attendu au sens générique du terme quant à ces résultats. Dernier point, je pense qu'on est dans le vrai par rapport à ça. Hier, on avait rendez-vous pour la culture scientifique pour préparer les FEDER 2021-2026, et pour la première fois depuis que la Commission européenne existe, la question des territoires est posée, et elle sera posée avec des financements, non pas sur ce qu'on a fait depuis tout le temps dans une grande vision taylorienne des territoires sur de l'infrastructure, mais pour la première fois, partout en Europe, sur les 130 régions, seront mobilisés des crédits pour accompagner les territoires dans la partie culturelle, éducative et, qu'on appelle rapidement, immatérielle des choses. Donc ça veut bien dire qu'il est en train de se passer quelque chose sur cette interrogation qu'on a tous. Les territoires ne peuvent être des objets abstraits. Ils doivent renvoyer à celles et ceux qui y habitent et participer à une connexion claire entre les territoires tels qu'ils avancent et la manière dont on emmène nos concitoyens sur cette trajectoire collective. Voilà, donc l'espace Mendès-France a inscrit les territoriales
et sur 2019 et 2020, les territoriales avec Grand Poitiers comme territoire d'application, clairement. Deux contrats vont être signés dans les semaines qui viennent, un avec Rochefort, un autre avec Angoulême. Et mes collègues de la culture scientifique vont regarder nos résultats avec beaucoup d'intérêt, puisque chacun d'entre eux, Bordeaux, Pau et Limoges, sont tout à fait engagés à reprendre les choses dans les mois qui viennent. Donc, Pascal, je vais te passer la parole. Et en tout cas, devant tout le monde, je voulais te remercier de nous avoir permis de créer un groupe qui, loin d'être pléthorique, mérite d'être complété pour le futur et d'avoir permis justement de mieux configurer cette discussion qui a commencé voici 3 ans lorsqu'on a fait l'actualité Nouvelle-Aquitaine qu'on a appelée Éloge de la diversité. On est entre plusieurs champs, y compris littéraires, et je pense qu'on est sur un acte fondateur en tout cas pour cette maison. Donc merci Pascal au nom de tout le monde et puis je te passe la parole. Merci Didier pour cette mise en perspective. Bonjour à tous. Effectivement, nous passons une nouvelle étape aujourd'hui. Nous avons une ambition nouvelle en ce qui concerne la médiation sur les territoires. Bon, il faut quand même se rappeler que l'Université de Poitiers a une compétence très ancienne sur l'analyse des territoires. Elle est pluridisciplinaire. Elle s'est beaucoup développée avec l'approfondissement du processus de décentralisation. Les décideurs publics, les élus ont beaucoup sollicité les chercheurs. Et la grande spécialité de l'Université de Poitiers, c'est d'avoir la possibilité d'offrir un regard pluridisciplinaire sur l'évolution des territoires. Bien sûr, la géographie est concernée, et je salue la présence de notre président de l'université, qui a toujours œuvré dans cette direction, en tant qu'élu également, mais aussi en tant que scientifique pour accompagner ces réflexions. Les historiens, bien sûr, les gestionnaires, les juristes qui, de plus en plus, évidemment, interviennent pour faire du conseil sur les logiques d'organisation territoriale et on dérive presque du côté des sciences politiques. Et puis, bien sûr, les économistes. Donc, ces compétences multidisciplinaires réunies au sein de l'Université de Poitiers, il fallait un jour montrer leur cohérence et montrer l'intérêt de les mobiliser toutes d'une manière transversale pour analyser les territoires et mettre cette expertise au service des décideurs, mais aussi, bien sûr, avant tout, au service des citoyens. Donc cet héritage est ancien, mais encore fallait-il trouver les moyens de le valoriser plus directement auprès des populations. Donc quand l'idée a germé avec l'espace Mendès France de développer une médiation scientifique autour de ces questions, la Fédération Territoire ayant vocation à organiser cela en réunissant l'ensemble des disciplines que j'ai citées, eh bien, cette occasion était excellente et donc nous avons bien sûr adhéré totalement au projet. En y associant d'autres partenaires qui appartiennent à l'Université de Poitiers mais qui ne sont pas dans ceux que j'ai cités, mais qui évidemment ont un poids important sur le développement des territoires, je veux penser notamment à l'ENSI Poitiers, et je salue la présence de son directeur Jean-Yves Chenbeau, le CNFPT, Sciences Po Poitiers, et puis quelques structures comme Initiative Développement qui s'intéressent à toutes ces questions. Donc ce petit groupe s'est réuni très régulièrement et l'idée a germé très vite de faire une médiation plus appropriée aux questions qui se posent aujourd'hui. Évidemment, quand on s'interroge sur les grandes problématiques d'actualité, sur les mouvements sociaux qui traversent la France aujourd'hui, on se rend bien compte que le territoire est au carrefour de tout un ensemble de préoccupations. Mais quel territoire ? Territoire de l'habitat, évidemment, notre habitat au sens géographique du terme, les grandes questions écologiques. Territoire institutionnel. Alors, déjà, une idée très simple, qu'est-ce que Poitiers ? On peut aborder la question à travers les quartiers de Poitiers. À ce moment-là, on se réfère au découpage de l'INSEE et on parle d'Iris, mais ça ne parle à personne. On peut parler de Poitiers en tant que commune. Ça parle déjà un peu plus, mais on va nous dire qu'aujourd'hui, les questions se traitent dans l'intercommunalité. Donc on va partir de Grand Poitiers. Et puis, les géographes, les juristes nous disent « Oui, mais il y a une aire urbaine sur laquelle nous avons des données statistiques. » Mais à l'intérieur de l'aire urbaine, vous avez les unités urbaines qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on appelle l'agglomération dense.
Et puis, les économistes vont dire, oui, mais il y a des territoires fonctionnels qui s'appellent les zones d'emploi. Et on voit bien apparaître la complexité, c'est-à-dire le citoyen, à travers ce millefeuille institutionnel, ne s'y retrouve pas très bien. Et vous verrez tout à l'heure, dans quelques instants, avec la projection du film que je vais présenter très rapidement, que finalement, les points de repère sont notre territoire vécu, c'est notre territoire de la mémoire, c'est notre territoire de nos liens sociaux, familiaux, de nos liens sentimentaux. C'est ce que les poètes appellent très bien le génie des lieux, que nous avons bien du mal à mettre en statistique. Donc c'est ce territoire-là aussi qui apparaît et dont il faut prendre conscience. Et puis bien sûr, le territoire, très tôt dans l'histoire, c'est un territoire pouvoir. Hein. Il s'agit de délimiter le lieu où nous aurons du pouvoir. Et du coup, ça donne lieu à la statistique, puisque à partir du moment où nous avons défini le parc à moutons, nous pouvons compter les petits moutons. Donc, comme l'a très bien montré Michel Foucault, à partir du moment où nous avons défini la surface et clos la surface, nous pouvons faire de la statistique. Donc la statistique, c'est aussi un moyen de faire dire des choses au territoire, mais ça ne doit pas se limiter à cela. Nous en parlerons un peu aujourd'hui, mais nous la mettrons au débat, cette statistique. Et puis bien sûr, eh bien, c'est d'abord et avant tout un support de relations sociales, mais le territoire n'est pas un support dans la mesure où le territoire est aussi de la relation sociale. Il fabrique de la relation sociale et il est fabriqué par la relation sociale. Et on a également toutes ces dimensions qui doivent être prises en compte. Donc, extrême complexité. Extrême complexité, et notre ambition depuis plusieurs années, mais surtout aujourd'hui à partir de cette nouvelle phase de médiation, c'est d'essayer de donner des outils pour mieux saisir cette complexité, non pas la simplifier, mais tenter d'en voir tous les aspects à travers différents prismes. Et c'est un peu le pari que nous prenons. Complexité, donc ça veut dire complexus, tout est lié ensemble, hein, tout est embrassé dans une même réalité. Et donc, le premier élément à essayer de mettre en débat, c'est la notion d'interdépendance. Et nous allons essayer d'insister sur ces notions d'interdépendance qui sont une manière d'aborder la complexité. Et vous allez le voir aujourd'hui, ce qui sera présenté et soumis à la discussion concerne beaucoup ces questions d'interdépendance. Et puis, il y a ce territoire sensible dont je parlais, qui peut être approché à travers les questions de représentation. C'est le deuxième pilier, le deuxième axe, le deuxième thème qui est un peu privilégié aujourd'hui, interdépendance et représentation, et nous allons beaucoup naviguer entre ces deux notions. Alors, comment faire de la médiation autrement? On voit bien qu'il y a une exigence sociale, on voit bien que nous sommes interpellés tous, élus, décideurs, scientifiques, voilà, la post-vérité fait son œuvre, et nous avons à lutter contre ce mauvais courant. Et donc nous avons beaucoup d'humilité à intégrer dans nos discours et à réfléchir sur la manière de faire de la science et faire de la médiation autrement. Le discours politique est mis en cause, le discours scientifique est mis en cause à travers un relativisme généralisé. Qu'est-ce qui nous reste? Donc on a le discours citoyen, on a les échanges, on a tout un ensemble de possibilités. Nous, ce qui nous semble important, c'est de varier les modalités de mise à disposition de la science. Donc, la science a sa rigueur, la science a ses choix, la science a ses problématiques. Elles peuvent être changées, elles peuvent être décalées, elles peuvent être mises en cause, mais à partir d'un socle qui, lui, est indubitable. C'est celui de cette rigueur scientifique. À partir du moment où cette rigueur est expliquée, on peut discuter. Donc, ce qu'on a cherché à faire, et on se met un peu en danger avec cette histoire, parce que nous ne savons pas bien faire, c'est une nouveauté, mais nous n'avons pas le droit de rester spectateurs de ce qui est en train de se passer. On s'est dit qu'on pourrait déjà susciter la réflexion et interpeller nos concitoyens à partir de petites capsules. La femme et l'homme de la rue ont un usage et une représentation du territoire. Et on s'est dit que, loin des micro-trottoirs, on avait quand même la possibilité, à partir d'un certain nombre de questions autour de ces représentations, on avait quand même la possibilité de vous montrer une synthèse de ce qui peut se dire
sur le territoire vécu. Et donc Grand Poitiers est notre lieu d'expérimentation dans un premier temps, comme l'a dit Didier. Ce n'est pas un choix politique, c'est un choix facile parce que c'est notre proximité et nous pourrons travailler sur d'autres territoires, bien entendu, si tout cela est concluant. Donc ce sera le premier temps pour cette matinée. Nous allons tous ensemble regarder ce film. Et puis il a été réalisé par Benjamin Guimond, qui est au fond de la salle, qui est encore notre réalisateur de ce matin puisqu'il filme. Et il est ingénieur d'études à la faculté de sciences économiques et il a eu pour cela l'aide d'autres collègues, Étienne Foucret, Laura Charrier et puis Mathieu Lee. Donc une petite capsule de 15 minutes environ et nous pourrons donc discuter autour de cela. Le film a été tourné en partie à Poitiers mais aussi dans d'autres villes comme Ligugé, Chauvigny et puis Lusignan. L'autre temps fort, donc on va organiser deux ateliers cet après-midi, mais avant cela, nous aurons une petite restitution de quelques éléments statistiques sur le fonctionnement de notre territoire. Alors on ne peut pas aborder tous les aspects de cette complexité que je citais tout à l'heure, mais simplement on s'est dit un premier moyen d'entrer dans la médiation scientifique, c'est de proposer à l'assistance quelques éléments sur le travail finalement. C'est un élément très important, extrêmement structurant dans le territoire parce que nous avons des activités économiques qui peuvent du coup être repérées comme des espaces de compétences finalement. Qu'est-ce que c'est que le travail? Qu'est-ce que c'est qu'un secteur d'activité? Quand il est fortement représenté, ça veut dire qu'on a des compétences qui sont dédiées à cette activité-là. Donc on va travailler un peu sur cette question d'emploi et de secteurs d'activité pour caractériser simplement sous un prisme, pas du tout exclusif, le fonctionnement de notre territoire. Et puis bien sûr l'emploi génère des déplacements domicile-travail, donc on prend les choses de manière très basique et on va réfléchir aussi sur les déplacements domicile-travail. Ça permet de mettre en lumière un certain nombre de choses qui ne sont pas dans le sens commun et donc on espère pouvoir susciter vos réflexions et vos interrogations, sans donner forcément des grilles de lecture, simplement pour susciter l'échange. Ensuite, donc, deux ateliers. Un atelier qui est organisé sous forme de quiz. Quelles sont nos représentations? Que savons-nous? Il n'y aura pas de premier prix et il n'y aura pas de bonnet d'âne, donc aucun problème par rapport à l'expression de chacun. Qu'est-ce qu'on sait finalement en termes d'emploi sur notre territoire? Donc, vous pourrez utiliser le buzzer et vous précipiter pour répondre bien ou pas bien. Et on vous expliquera donc quelle est la bonne réponse, bien entendu, et ça pourra donner lieu à échange. Et puis Mathieu Lee, notre cartographe préféré, vous proposera un petit exercice de carte mentale. Comment vous représentez votre territoire de vie? Et on commencera bien sûr par votre habitat, là où vous dormez, et là où vous travaillez, et puis là où vous avez vos loisirs, là où vous avez vos amis. Et ça nous servira pour cartographier un certain nombre de choses en superposant les différentes réponses. Donc c'est aussi une dimension nouvelle de ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire que l'idéal serait que pendant cette journée, et puis la journée de samedi qui va prolonger ce qui se passe aujourd'hui, nous puissions nous aussi nous nourrir de vos préoccupations et re-questionner les problématiques que nous avons en tête, qui sont très souvent issues de grands corpus théoriques, mais ça ne suffit pas à couvrir la réalité. Donc si nous pouvions également alimenter notre réflexion et parfois décaler un peu le champ d'étude pour prendre en compte ce qui se fabrique aujourd'hui dans les territoires, ce serait vraiment l'idéal. Donc vous voyez que c'est très ambitieux et assez nouveau. Et puis, à l'issue de ces ateliers, nous aurons quelque chose de très original, qui se fait déjà dans de nombreux lieux, mais appliqué au territoire et lié aux échanges que nous aurons, je pense que c'est original. Et surtout, la commande était très ambitieuse. Nous accueillons donc une compagnie de théâtre qui s'appelle « Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon ». Et nous avons quelques flamants roses assis au fond de la pièce. Donc si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît, les comédiens sont là. Voilà. Bonjour.
Donc bienvenue et merci beaucoup de nous accompagner pour tout au long de cette journée. Donc les flamants roses se sont assis, ils ne restent pas debout sur une patte, on va leur épargner cela. Et donc ils vont nous suivre toute la journée pour restituer leur représentation de ce que nous avons dit. Donc c'est une autre forme d'expression. Donc vous voyez qu'on essaye d'utiliser toutes les formes de médiation possibles. Et ils vont essayer de dire à leur manière, avec leur art du spectacle, comment ils voient le territoire et comment ils intègrent les réflexions qui ont eu lieu. Et bien sûr, l'intérêt, c'est que nous puissions échanger sur cette forme de médiation, cette forme de représentation, alors là, théâtrale, de ce qui a été dit. Voilà, donc merci beaucoup de votre présence. J'espère que cette journée sera riche en échanges. En tout cas, nous l'avons voulu ainsi. Nous ne sommes pas là pour donner un discours scientifique. Nous sommes là pour échanger autour de valeurs qui sont scientifiques. Nous allons regarder le film. Donc, comme je vous l'ai dit, il a été filmé sur plusieurs lieux de Grand Poitiers. Il a permis de recueillir un certain nombre de parcours de vie et puis de certain nombre de représentations du territoire. Les questions posées concernaient la représentation, comment voyez-vous votre territoire, mais aussi les politiques publiques. Voilà, qu'est-ce que vous connaissez des politiques publiques et puis connaissez-vous vos élus? Voilà, il y a des réponses assez étonnantes. Il faut que nous les prenions en compte comme elles sont et que nous interrogions sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Voilà. On peut donc lancer le film et puis nous échangerons ensuite.